Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et Djedi sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bazins et les bobonas. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. 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 Je me réveille, je ne...
peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux rien voir, je ne veux rien savoir, mon amour, ma chérie. Si je ne te vois pas, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire, je ne peux rien voir, je ne veux rien savoir. Et aux parents de mon mari.
Avec le prud'homme. Avec votre permission, Anthony Dorcel, nous vous disons infiniment merci d'être venus nombreux vous joindre au bonheur du couple Konesiaka. Ensuite, nous ouvrirons les buffets. Il y aura une autre rubrique qui suivra, celle de l'ouverture du bal. Il y aura aussi des témoignages qui seront dits ici. À l'endroit du couple Konesiaka de Sirana, il y a les distingués invités qui sont venus les mains très chargées pour dire infiniment merci à Dieu pour la joie qu'il leur donne ce jour de voir leurs enfants s'unir dans les liens sacrés du mariage. Ils sont venus les mains, je l'ai dit, très chargées. Oui. Restera donc l'étape de la remise des cadeaux. Suivra celle de la coupure du gâteau. Il y aura les trajets qui seront distribués par Madame Konesiaka de Sirana, la plus belle. Est-ce qu'on peut applaudir quelque part, Madame Konesiaka? Oui. Oui, Tony. On va bien sûr donner la suite du programme tout à l'heure, vu que nous sommes déjà à 16h. Non? Et combien de temps? 15h, mais c'est comme 6 minutes. On va appeler très rapidement, oui, Monsieur Sidiki Ouattara pour la prière. Merci. Je vais tenir ton micro, papa. Merci, papa. Voilà, ton fils. La prière. Oui. Les premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit de Radio Yokouan. On applaudit ce frère, merci. Merci. Avant d'entamer aussi la festivité, je tiens à vous dire ceci. Écoutez-moi beaucoup d'attention, je vous prie. C'est pour papa qui nous parle. Les sages nous ont enseigné ceci. Il faut profiter des 5 choses avant 5 autres. Il faut profiter des 5 choses avant 5 autres, oui. Premièrement, il faut profiter de la santé avant la maladie. Profiter de la santé avant la maladie. Profiter de la richesse avant la pauvreté. Profiter de la richesse avant la pauvreté. Profiter de la jeunesse avant la vieillesse. On a promis cette partie, je vous en. On avait tout compris, mais là c'est encore plus fort. Profiter de la jeunesse avant la vieillesse. Quatrièmement, profiter de l'indépendance avant la dépendance. Oh. Est-ce que ça vous a dit que vous demandez à vous? Je dois dire que pour venir ici, nous n'avons pas eu besoin de quelqu'un. Oui. Mais dans l'avenir, lorsque les forces seront atténuées, on aura besoin de quelqu'un pour nos différents services. Oui. Et cinquièmement, il faut profiter de la vie avant la mort. Oh. Oh. C'est pas si fort. Profiter de la vie avant la mort. Vous n'avez pas envie de profiter de la vie avant la mort? Oh, le papa, il a été majestueusement choisi, papa. C'est l'émotion, ça fait aller. On y va, papa. La prière, je souhaite bon mariage à nos jeunes, à notre jeune couple. Oui. Couple collé. Le Dieu met sa baraka sur le mariage et qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. C'est le bénéfice du mariage. Parce que pas signé, ils ont conçu un autre affaire, papa. C'était dur en anglais encore. Ibrahim Rahman Nourahi. Adama Ulaïla Kaïla Hoa Nezahi Lokayou. La Tao Dieu Sina Kua Tanam. La Roma Pisama Wati Wama Fela. Mandela Zia Sipaïla Oïla Renéye. Ya la Mamena Yé Wama Tanifo. Voilà, il est mon ami, c'est le meilleur de la. Voici un possible, ça m'a envoyé à la fin. Là, il y a un nouveau jour de mouvement où on a dit la vie. Rabana Aboulana, Mina Zewaïna, Wazou, Yadina Kouran, Dayonina, Wayadina, Nimotadina, Imam. Il n'a dans l'homme à l'œil que d'Aouis, soit une arabe en Amérique.
Il y a le chef, oui. Il y a
la sauce reine. Il y a... Bon, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais actuellement, ce n'est pas le temps. Les crêpes pour lui. Et faites vos commandes en fonction de tout ce que nous sommes en train de dire actuellement. Merci très bien. Oui, oui, je suis désormais la même plaisir. Celui qui n'a rien gagné à l'heure. Celui qui est tranquillement, tout doucement. Ouais. Ok, on peut courir. À Bruxelles, vous verrez, s'il vous plaît, à Monsieur Paris. Thank you.
Dieu, Emmanuel et Bichon Couloir. Dieu, prenez le cercle de Cyrano. Amen. Nous permet de vivre des instants magiques, féeriques, des instants bonheur, de joie. Amen. Amen. Seigneur. Oui, Tony. Si la semaine prochaine, je ne fais pas mon mariage, je peux pas s'arrêter, Tony. Franchement. Mon Dieu. Mon Dieu. Le dispositif protocolaire est en train de se mettre en place. Allez. Le Desmond est en train de soigner l'événement qui a été sous mesure. N'est-ce pas? Je suis dit. Nous, la circonstance. Bon, comme il n'est pas prêt pour la publicité, malheureusement, je ne peux pas. Allez. Nous allons passer. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, vous l'aimez. Nous étions pour préparer les capeurs. Oui. Merci. Quel mariage! C'est vraiment ma première fois de voir un tel mariage. D'une telle dimension. Évité, décalité. On a bien mangé. On a bien bu. Et si vous êtes arrivé, vous n'avez rien raté. Nous sommes à l'étape de la coupure du gâteau. Un gâteau confectionné. Pâtisserie Flora. Un des partenaires. On va dire traditionnel de Radio Yomougon, votre belle radio. La radio qui vous procure de la joie et de la gloire. Et bien le gâteau, on l'a dit, qui représente la nourriture qui ne va jamais manquer dans la maison policière Carlos Cyrano. Madame, monsieur, le couple est en train de saisir. Et aussi. Le couteau, n'est-ce pas, Tony? Je peux aller aussi vous l'appeler, mais ça, moi, je ne sais pas. Hein. C'est tout comme, oui. Et les esprits maléfiques vont être éloignés de ce couple. Tout le monde. Le premier bisou. Non. Le deuxième. Le troisième, certainement. Ah, mais c'est pas clair, là, oui. Le quatrième, certainement, ce sera le plus fort. Le plus fort. Le plus fort. Merci, nous passons d'être très fort le couple. Vous connaissez comme c'est là. Et voilà que le Seigneur Tout-Puissant et nous donner de nous montrer une première fois. Les services se met en route, madame, monsieur, tellement d'émotions. Mariage, vous connaissez comme si on a donné leur sel. Oui, je le disais donc en laissant. Voici donc le sel. Tellement d'émotions ce soir. Et monsieur Koneziaka va servir du gâteau à la plus belle de ce soir, sa charmante épouse, madame Kone. Elle, à son tour, va servir un peu de gâteau, symbole de nourriture. Oui, que Dieu nous donne pour avoir de la force, de la vigueur. Et le métier qui est cassé dans la bouteille, donc vous comprenez, c'est un mot. Vous voyez ce qu'il y a pas eu de bruit autour de cela. Voilà. Et le père lui-même tient autour de la bouteille. Vous comprenez, même si il n'y a pas d'alcool. Nous allons passer à la séance de remise des cadeaux, votre monsieur. Oui. Apprêtez les cadeaux.